Hey, bonjour à tous et bienvenue sur du Feed the Patrick, épisode 1. Actuellement, nous sommes 7 joueurs sur le serveur. Bon, alors, voilà, alors, moi me revoilà, j'ai été, alors hier j'ai eu des problèmes de connexion et eu des problèmes de cerveau aussi, donc ce qui n'a pas vraiment arrangé les choses, du coup, aucun problème sur ce point, si, il y a eu un problème, mais c'est tout. Actuellement, je me dirige vers ma nouvelle position, donc cette saison, je vais habiter, cohabiter plutôt, avec comment? Je vais habiter cohabiter avec comment? Les trous duc. Du coup, voilà. Hop. Et bon. Du coup, oui. Et puis en plus, il a comment? Il a mis le système que si vous plus de la moitié dorment. Justement, il y a comment on peut dormir. Alors, ce qui va me déranger le plus là actuellement, c'est que déjà j'ai plus de bois. Bon, on a ça, donc je vais aller couper un petit arbre. Actuellement, sous mes yeux, j'ai la din map. Donc la din map ne pourra être donnée du fait qu'il risque d'avoir un DDoS. Pourrait-il y avoir une map? Une map dans le genre comment on pourrait définir cette map une map toute flat en fait, vous avez une image PNG comme il avait fait Pierre dans Holy Cube en fait. Ça, je pense que ça pourrait le faire, faut juste voir avec si c'est possible, mais normalement doit y avoir aucun souci. Bon, la map par contre elle sera très grande. Vanilla c'est différent. Là nous sommes un modé, donc ça va être un petit peu plus galère. Mais normalement il devrait pas y avoir de trop de soucis. Alors précédemment, même pas précédemment en fait, je me dirige vers où? Parce que il faut que je me dirige à un point, d'accord, j'ai mon bateau ici, vers un endroit qui pourrait être pas mal. Alors j'ai juste à tourner les yeux et je vois la din map de mon côté hein. C'est pour ça que je la vois très bien. Cependant je ne sais pas où est-ce que je vais. Ah oui, ok, faut que je fasse vraiment tout le tour. Du coup, on va y aller tranquillement. Donc cette saison, moi de mon côté, je n'aurai pas mes abeilles. Parce que les abeilles ne sont pas à jour forcément ou sont incompatibles entre les modes. Donc, pour l'instant, je vais faire les abeilles de base. Donc il y aura des petits tutos droite et gauche. Hein. Ça, c'est ce qui est normal. Je peux le faire même si j'avais les autres modes. Mais de toute façon, il faut commencer bien par le début. Donc... What? D'accord, j'ai un retour complet. C'est pas très grave, on va y aller à la mano, hein, c'est toujours mieux. Alors, nous avons une belle liste de modes. J'aime pas trop ces totems parce que généralement il y a une note dedans. Cette saison, ça va être un peu plus simple que la dernière fois, que la saison précédente. Pourquoi? Puisque on n'a pas de limitation de terrain. Nous avons choisi une génération avec un mode, alors lequel? J'en sais rien du tout. Qui fait que on n'est pas restrictionné au niveau de la taille du terrain en fait. Voilà, dans la saison 3 c'était du 50 par 50. Là on peut faire du 3000 par 3000, 5000 par 5000, 15000 par 15000, hein, c'est comme vous voulez. Il n'y a pas de limitation pure et dure du terrain. Sachant que je dois aller par là-bas, je crois. Oh, il y a une tropicale ici. Ah, une marchine, hein, c'est différent encore. Je sais, il faut que j'aille là-bas. J'ai deux façons d'y aller. Soit je vais à la mano et let's go là-bas. Qui pourrait être mieux en fait.
En plus, s'il y a une note, par exemple, bah c'est pas grave du fait que j'aurai le bateau, donc j'irai plutôt vite. Faut juste que j'évite les nénuphars. En parlant de nénuphars, il y en a plein en plus. Voilà. Alors, ici, c'est la grande montagne, donc je vais essayer de faire un peu le tour quand même. Ça évite des petites problèmes. Au niveau de la durée des épisodes, donc ça sera comme l'ancienne. Ok, j'étais ici, TP ici, hein, mais c'est pas très grave, bon on va aller à pied. Parce que j'ai pas envie de refaire un bateau pour rien. Oui, donc du coup, une vingtaine à 25-30 minutes au maximum par épisode sur ce point. Également. Ça sera pas tous les 2 jours du FTP, hein, donc je vais essayer de tranquillement bah, d'y aller tranquillement en cette saison en tout cas. Je vais pas y aller à la bourrin comme l'autre. Je vais prendre mon temps, ça va faire du bien. Et puis Nox qui s'amuse. On va prendre notre temps, voilà. Cette saison, je vais m'attaquer un petit peu à tout en fait. Au niveau des modes, je sais qu'au début, bah, ça va être l'énergie un petit peu parce qu'on en aura besoin pour si on veut aller au-dessus. On a pu les câbles, comment? De Thermal Expansion, ils ne sont pas codés, ce qui est un peu dommage. Bon, ça arrivera sans doute, hein. Faut juste voir si le proprio va faire en sorte que on ait les modes. Extra bise, moi ce que j'ai besoin, dès qu'il est codé et compatible, Az le remet. Bah le met. Pour cette saison. Moi ça m'arrange en tout cas. Mais par contre, vu que c'est des combinaisons d'abeilles, il leur faut les basiques pour pouvoir avancer avec les nouveaux. Donc, c'est pas comme s'il y avait des nouvelles ruches. Bon, certes, il y en a quelques-unes, mais c'est tout, on peut quand même les chanter entre parenthèses. Donc sur ce point, il n'y a aucun souci. Niveau de l'énergie, Thermal Expansion, il a énormément changé. C'est que maintenant, on peut lui mettre des upgrades dans les machines, dans les selles, dans les moteurs et autres, qui nous permettent justement d'accroître la accroître hein, du verbe accroter, on sait rien du tout, qui permet de d'augmenter son efficacité et de réduire sa consommation au niveau du charbon. Tiens, moi je vais buter des vaches, c'est swag, voilà, c'est bien. Par contre je n'entends pas les coups que je mets ou qui tombent. Ah, Wither Cap. Donc du coup, voilà. On peut au maximum. Pourquoi il m'a pas sauvegardé? Il me sauvegarde pas les micro-blocs que je retire, ben, fait chier. C'est quoi déjà? Thermal. Hein. Thermal expansion, thermal expansion, thermal expansion. Hop, il est en train de chercher. Voilà. Voici les upgrades qui nous permettent justement d'augmenter son fuel d'énergie, sa base. Donc les prix après ils varient très très vite. Hein, bon ça déjà c'est un peu plus cher, hein, il faut déjà un peu de machines pour pouvoir les activer. Mais disons que les machines de base, après, il n'y a aucun problème. Alors Fox il est par là-bas. Donc du coup j'ai fait tout le tour. Moi sachant qu'il faut que je descende par là en fait. Ok. Ça sert vachement à la dynmap par contre. Normalement j'ai une map qui se trouve là-haut, en haut à droite, sauf que j'ai désactivé directement du mode, j'ai disable. Comme ça, elle m'évite de faire chier parce que je n'aime pas cette map. Je voulais mettre Voxel Map, mais il est pas à jour correctement. Oh, de l'or. Je vais pas cracher sur l'or moi par contre. Mais par contre c'est très dur à péter. Voilà pourquoi. Oui, de l'or, il faut forcément du fer. Ouais. Il faut obligatoirement du fer. Et en plus, j'ai même pas ce qu'il faut pour faire ça. Dommage, parce que c'est de l'or, et l'or, c'est plutôt intéressant. Après, je vais voir.
En tout cas, nous, on va bientôt arriver à destination. Se trouve derrière ceci. Normalement, ouais, c'est ça. Donc du coup, on va y aller tranquillement. Il y a Fox qui habite normalement tout là-haut, en fait. C'est ça. Hein. Ah non, c'est Bill qui habite là-dessus. Ok, c'est Bill. D'accord, et nous c'est plus loin. Ok. Alors ici, ça sera chez Bill. En fait, toute la colline là, c'est chez Bill. Voilà, ok. Ça sert quand même les. Ouais. Alors, je me méfie avec cette node. Parce que j'ai pas envie qu'il me bouffe si c'en est une mauvaise. Donc, je me casse. Nous avons aussi notre nouveau mode Tomcraft qui se fera un plaisir BXA et Garnick sur le nouveau Tomcraft, le Tomcraft 4.2 ou 5, je ne sais plus, mais je crois que c'est 4.2. Il a complètement changé par rapport au FTP3. Hein. Déjà, c'est plus la même version, déjà ça, mais également, il y a tellement de possibilités maintenant, c'est un magnifique. Alors, les arbres, je crois, avec... Déjà, ici, c'est vers chez nous. Ouais, nous avons la météorite. Alors, un météorite, c'est Applied Energy Stick. Applied Energy Stick a complètement changé. D'ailleurs, je peux pas péter ça. Puisque maintenant, pour avoir les premières disquettes, il faut passer par des crafts qui sont extrêmement gourmands. Et de l'énergie également. Et puis du temps, hein, parce que Applied c'est quand même quelque chose qui a nettement changé. Applied 2, le mec a complètement pété un câble quand il a créé ce mode. Du coup, bah, on va peut-être un petit peu passer à autre chose que Applied Energy Stick. Néanmoins, le mode est plutôt très intéressant. Oh d'ailleurs, ça c'est très intéressant aussi. Je pense qu'il a été exploité. Pneumatique, enderlicite, du quartz, du tin. Ah bah du steel, ça c'est cool. Tin, ouais. Ah, bleu de magique, ça c'est plutôt cool. Ouais, mais je reviendrai plus tard pour ça. Il n'y a aucun souci, mais je reviendrai plus tard. Par contre, le biome il a l'air un petit peu moche. Je pense que c'est une note pas très sympa. Donc on y reviendra plus tard. Et également, maintenant, je dois aller par là-bas, je crois. Ouais, tout à fait. Il y a Mister Thailand. Donc, nous avons trois autres personnes aussi sur le serveur qui viennent de les clics. Voilà. Une épée en steel, c'est quand même bien. Hein. Faut dire ce qui est. C'est une très grande durabilité. Voilà, ici, là, toute la région sur de 2000 par 3000, c'est tout chez nous. Là. Maintenant, bonjour. Je m'installe où? Voilà. Donc, il y aura tous à torcher, hein, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Mais disons qu'il y a quand même du boulot à faire. Moi, je pense que je vais plutôt m'installer quelque part un petit peu plus au nord. Non, peut-être pas au nord. Attends, le nord c'est ici, où... ça doit être là. Voilà, ça doit être ici. Ouais, et puis il y a Nox qui génère vraiment au nord. Donc sur ce point, il n'y a aucun souci. J'espère juste que je vais pas rencontrer de notes sur mon chemin parce que j'ai pas envie de crever. Note de Marseille. En continuant par là-bas, c'est... ouais, c'est ça. Quand même, c'est quand même bien la dit map. Nous, de notre côté, ça nous permet de nous repérer plus facilement. Alors, moi, il y a, je sais aujourd'hui, c'est la discussion papote et découverte de FTP4. C'est que, là, ici, c'est tous les trucs. Moi, j'en fais partie cette saison. Mais j'ai un volcan qui se trouve là-bas à plus de 7000 blocs.
C'est un volcan immense, mais vraiment immense, hein, préfère le dire directement, mais qui sera bien parce que dedans c'est une chambre complètement magmatique. Donc il n'y a aucun souci pour ça. Alors moi par contre ici... Ouais. Cactus, ça doit être du pétrole je crois. Ou pas. J'aurais plus dit du Wither. Le liquide de Wither. Donc il n'y a aucun souci. Nous sommes ici sur un désert. Ouais, c'est ça. Ça, je m'en doutais un petit peu. Est-ce qu'il y a un plus un endroit que j'irais m'installer? Ouais, je dirais plus par là-bas. Ça dans un désert. Tiens, bizarre. Ah oui, l'arbre géant. Ouais, là-haut, j'irai faire un petit tour parce que c'est quand même bien. Et dans les profondeurs aussi. Du coup, c'est par là-bas que j'irai bien, moi. Ouais, c'est ça. Non, plus par là-bas finalement. On verra bien, de toute façon. De toute façon, il nous faudra de la bouffe assez rapidement parce que c'est bien beau tout ça, mais. Il y a quel genre de biome? Plaine. Ouais. Plaine avec beaucoup de fleurs. D'herbes surtout. Bah, c'est l'insecte. Hein. Ah, là par contre, ça lagouille un peu. Ok, ça génère plus. C'est pas très grave. Du coup, combien de temps dans l'épisode? 16 minutes? Ouais, bah ça va. Disons que ça va être plutôt simple ici. Voilà. Je me suis déco. Oh, c'est pas mal ça. Oui, ça c'est un mode qui me permet de voir tous les mobs qu'il y a actuellement dans le jeu. Du coup, on va se laisser là de notre côté et on se dit à une prochaine pour l'épisode. On va dire que c'est l'épisode 0 de FTP4. Et l'épisode 1, on va commencer un petit peu le minage, tout ce qui est en rapport avec du pur modé. Voilà. Allez, sur ce, merci de m'avoir regardé. Et puis n'hésitez pas, le petit pouce vert, bleu, je ne sais plus, mais pas le rouge, hein, mais voilà. Allez, bisous tout le monde, ciao!